Bonjour, je me présente, je suis Jacques. Aujourd'hui, je viens de recevoir donc le Shad, le SH59X. Le top case en lui-même est de très bonne facture. Je l'ai touché déjà, il est joli. Il n'est pas laid au niveau des formes. Il est assez pratique. Vous recevez donc avec le top case le support du top case à monter sur la moto, le manuel d'instruction. Ensuite, on a un sachet de vis, de crochet. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de mettre deux casques dedans, de la même capacité à peu près. Donc là, je mets deux intégraux de taille M, l'un à côté de l'autre. J'ai même encore de la place pour mettre des gants, en plus une petite lanière pour tenir le tout. Voilà, donc je le ferme, l'ouverture est pas mal aussi. Alors, le support de top case est monté. Donc pour avoir accès aux trous de fixation, il faut tirer simplement ces 4 vis. Si vous avez accès à 2 trous pour pouvoir le fixer dessus, le tout c'est qu'il soit bien axé par rapport à la moto. Et ensuite, il suffit de mettre les 3, voilà, les 3 pattes bien enclenchées. On met la clé vraiment vers le bas, un déverrouillage. On appuie un petit peu sur le top case pour être sûr qu'il soit bien enclenché. Et on vérifie qu'il est fixé. Et là, il n'y a pas de problème. Donc pour ouvrir, c'est tout simple, on pousse sur open et on a accès à une petite trappette et on ouvre. Je n'ai pas forcé ni pour l'ouvrir ni pour fermer. Maintenant je voulais vous faire voir, c'est ça, le système de verrouillage des positions. Alors on tire ces petites languettes rouges, on arrive au niveau du téton. Vous allez le voir là, il se téton et on appuie bien fort. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, il faut jouer un petit peu. Il faut, voilà. Là, on est en position médium, c'est-à-dire week-end. Et en position mini, c'est-à-dire journalière pour Shad. Voilà. Surtout, ne pas oublier de bien appuyer, comme je l'avais oublié de le faire. Et on referme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci encore.